animaux qui paraissent totalement irréels. Numéro 1. Le loup à crinière. Le loup à crinière est un animal fascinant. Il s'agit du plus grand canidé d'Amérique du Sud. Ce n'est ni un loup, ni un chien, ni un renard. Il s'agit du seul représentant de la famille Chrysotion. Les loups à crinière ont des jambes longues et minces qui leur permettent de voir par-dessus les hautes herbes. Cette caractéristique leur a valu le surnom de loup à pattes de gazelle. Personnellement, je trouve qu'il ressemble surtout à un loup-garou. Numéro 2. Le renard du Tibet. Le renard du Tibet est un animal fascinant qui possède une tête presque humaine. Il a ce regard qui semble vous juger, comme s'il était capable de lire dans vos pensées. Il vous regarde droit dans les yeux, sans jamais cligner, comme s'il vous défiait de révéler votre véritable nature. Selon les croyances tibétaines, le renard tibétain est un messager entre les dieux et les humains. Numéro 3. Le rat taupe. Cet animal extrêmement rare est un rat taupe. Il n'existe que très peu d'images de cet animal étrange qui ressemble à un Pokémon. On dirait qu'il n'a pas de visage. Sa tête, c'est juste un gros nez et des dents saillantes, ce qui le rend